C'est Premier ministre là, Joseph Jout qui a installé Léon Charles dans poste li lundi 16 novembre 2020. Nouveau directeur général AI Police Nationale d'Haïti a remplacé Ramon Omil qui passé 14 mois dans tête PNH là. Ancien militaire et ambassadeur Haïti dans OEA, Léon Charles était déjà occupé poste ça dans l'année 2004. Tablier un climat sécurité et la paix dans pays a, c'est principale mission Léon Charles. Premier ministre qui c'est en même temps chef conseil supérieur police nationale là dit une disposition qui prend dans pire au niveau l'état pour faciliter nouveau de GPNH là fait travail. Au niveau du budget 2021, nous avons passé le budget de la PNH à 16,8 milliards de gourdes au lieu des 11 milliards de gourdes de l'exercice antérieur. Ceci est une augmentation de près de 6 milliards de gourdes. À lui seul, le budget de la PNH représente deux fois plus celui du ministère de l'Agriculture. C'est pour prouver toute l'importance qu'accorde le président de la République à sécuriser le pays. À côté de ce budget, un contrat vient d'être signé avec l'hôpital Bernard Meuse pour permettre à chaque policier et policière et quatre membres de leur famille de bénéficier d'une assurance pour les urgences médicales en plus de celles octroyées par l'OFATMA. 150 motos et plus d'une soixantaine de véhicules tout-terrain sont déjà livrés à la police nationale, tandis qu'une commande de 150 véhicules est en cours d'être livrée. L'équivalent de 1,5 million de dollars américains a été décaissé pour doter les policiers de nouvelles uniformes. Nous avons également lancé la construction de 690 appartements à Delma 75 au profit de nos vaillants policiers. C'est en date 13 novembre 2020, arrêté pour nommer nouveau DG AI Police Nationale d'Haïti a publié dans le journal officiel Le Moniteur.